Bergerac entame les opérations de recensement suivant le cycle quinquennal national depuis 1999. 6 recenseuses ont été recrutées à cette occasion. Rihanna Cli, Isabelle Léger, Evelyne Roche, Cathy Denem, Cyril Gauvin, Nathalie Vlody. Alors, il y en a une ou deux qui ont déjà fait le recensement. C'est qui ? Deux personnes. Alors, comment vous trouvez que c'est intéressant de le refaire ? C'est intéressant, il faut être un petit peu motivé, bien organisé, et le travail n'est pas désagréable. C'est beaucoup de marches aussi ? Ah, énormément de marches, mais ça permet de découvrir les beaux quartiers de Bergerac. C'est aussi un moyen d'être rémunéré en plus du travail, et aussi on a dit lors de la réunion d'abandonner un petit peu les occupations habituelles. Oui, absolument, oui, on laisse les enfants à la maison, mais bon, c'est vrai que c'est agréable, on découvre, comme dit Cyril, des quartiers, des beaux quartiers. C'est relationnel aussi, voilà. C'est vrai que la rémunération, bon, c'est une chose, mais ensuite, je pense que c'est une expérience très intéressante. Alors, c'est quand même aussi une façon d'aborder la mairie qui vous a sollicité, ou est-ce que c'est vous qui avez sollicité la mairie ? C'est la mairie qui lance appel à candidature et les personnes intéressées envoient une lettre de motivation. Donc sur combien vous avez été choisi ? Nous ne sommes pas nombreuses, semble-t-il. Je ne sais pas. Mais en général, on n'est pas très nombreux. Non, on n'est pas très nombreux. Vous n'avez pas trop couru pour marcher. C'est vrai, c'est vrai. On nous dit 8 personnes. Donc, merci beaucoup.